y'all are on the Babala Show watching Dozas TV. Keep it locked. You just killed Zenith, me and Fally, so make sure you keep tuned. Yo, toi tu viens d'Espagne? Moi je viens d'Espagne. Jusqu'à Paris pour voir Fally Poupa. Ouais, ouais, c'est normal quoi. Donc, la prochaine fois, on va mettre un tour. 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 Et ça, moi j'aime quoi. Je m'appelle Brice Moutette. On connaît bien ce tour. Fally, t'as dit sur un tour plus haut. Oh, un tour là. Un maravilloso. Elle est pipe dans mes rôles. Elle est fantastique, moi. Elle est magnifique. À qui sera. J'ai envie de dire, est-ce que vous êtes toute folle de Fally? Bien sûr. Aujourd'hui, on se retrouve là au Zénith. Et quel Zénith? Le Zénith de Fally, Ipupa. Eh oui, la merveille. Quel monde en plus. Par rapport à Fally, Ipupa, je ne veux pas débattre à toi. Je dis vraiment que je vois déjà que le procès sera archi con. Félicitations, Fally, félicitations. Depuis un petit parti, ça m'était vraiment un grand en ce moment. Exact. Parce que ce que tu as fait, même beaucoup de Européens qui sont ici, la référence ne m'arrive même pas à les faire. C'est pourquoi Fally? Bon, tu es Fally pour la musique, c'est ça, concerne, hein, quoi. C'est vrai, monsieur, c'est un peu Zali. Il y a un gars qui a dit qu'il va combattre en Hollande. Donc, il va représenter Hollande. Donc, tu es parti depuis Hollande, tu es venu jusqu'ici. Ouais. Bien, bien, bien. Donc, c'est vraiment. On a 10 heures, quoi. Ok, donc vous êtes vraiment des fans, quoi. Ouais. Eh ben, dis donc. Et vous, monsieur? Christian. La boîte à Lobota. Ok, Mina de Souza. Ouais. Là, le petit ça a parlé de Souza que vous entendez souvent, donc je suis là pour Fally, pour faire plaisir, parce qu'il chante trop bien, ouais. Les chouchous des femmes quoi. Vous voyez, voilà. Même les maliennes, il y a tout ici, il y a un mélange de tout, c'est vraiment hallucinant, voilà. Très très bien. Comment vous trouvez ce monsieur là, Fally? Ah, je l'adore. Elles sont toutes folles. Dingue de lui. Exactement 4h du matin, donc il n'est pas tard. Hein. Non, ça va. 4h du matin, c'est là que la vie commence. Exactement. Dans le milieu africain. Mm-hmm. On est là ensemble, voilà, j'ai mis un petit masque histoire de. Ah, on l'a reconnu quand voilà, même, hein, voilà. N'est-ce pas, Mister Bino, Mickey. Oh, ça c'est entre nous. Hé, hey, le Zénith, tous les bras en l'air. On y va, dans tu dois. Un petit peu le frère. Je suis venu pour booster le frère. On a fait un morceau qui s'appelle Malembe qui a énormément marché dans la communauté africaine et qui était dans mon album Mon Afrique. Mm-hmm. C'est un des morceaux que les gens préfèrent et on va le jouer ce soir en live. Yes. Donc voilà, c'est un plaisir. En plus, voilà, je suis content. C'est le premier Zénith de Fally. C'est un artiste qui mérite vraiment tout ce qui lui arrive. C'est quelqu'un de très talentueux. Je pense que tout le combo, que ce soit RDC ou Brazzaville ou même partout en Afrique, doit être fier d'un artiste comme Fally. Parce que là, il a rempli voilà, quand même. Il a rempli, malgré tout ce qu'il pouvait penser. Il a fait son taf, il a fait ce qu'il avait à faire.
et ça fait vraiment plaisir. Tu as aimé? La Lingui est trop, hein. Au Lingui? Ah, la Lingui, Tingui, hein. Oh là 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 là. Donc tu as adoré Fali? J'adore, je kiffe Fali. Trop beau, je chante trop bien. Donc en fait, avec Fali, il n'y a pas de couleur. C'est blanc, rouge, noir, et tous les styles. Passé Fally Poupa, bravo, coup de chapeau. Tu peux nous faire une petite chanson de Fally Poupa? Une chanson On vient de finir un show extraordinaire. Alors Fally Poupa, hein, DiCaprio la merveille, il est assuré. Non mais là, regardez ce monde. On va finir avec toutes ces images là. On laisse tout ce monde partir. À très très bientôt sur Babylon Show. I got my money, let's spin it up. Go out and smash it. Like oh my god, jump out that sofa. Let's kick it on. Allô? Allô, oui, c'est Fally. Oui, salut Fally. Oui. Oui, je suis en retard, je suis désolé, j'arrive. Ok, vas-y. Oui, dans 10 minutes. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, bisous, à tout de suite. Ciao. Hier, c'était le concert et j'ai vraiment, vraiment adoré. Et je sais que les gens, ils ont adoré parce qu'ils l'ont vu avant, justement. Et le Zénith, enfin. Oui, enfin, donc voilà. Eh, tu as rendu quand même. Ouais, c'était... Attends, c'était vraiment plein parce que nous, avec Bobby Lachaud, on a tourné, on a vu le monde, les gens, ils ont adhéré. Et le fait que tu sois monté sur scène et t'as assuré avec tes invités. Donc qu'est-ce que ça t'a fait? Parce que hier, c'était génial, tu montais, tu as fait ton show. C'était quoi en fait, après le show? Et après en fait, je dirais, c'est quand même, c'est énorme. Moi je pense que pour un artiste, c'est quand même important d'avoir autant de monde surtout. Et puis chanter vraiment en cœur avec toi. Toutes les chansons, je pense que c'est... Ça prouve que l'album a vraiment réussi. Attends, l'album a tourné, parce que les gens, quand tu commençais à chanter, tout le monde chantait. J'ai commencé à chanter quand j'ai tourné le micro. Ils adhéraient, moi ils étaient vraiment... Il était chaud, quoi. Il était chaud. Ouais. Vraiment, je remercie d'abord le public. Déjà. Vraiment, je remercie. Et je remercie... je remercie d'abord le Seigneur Dieu. Toujours. Et ensuite le public. Ouais. Il y a eu beaucoup de préparation. Ouais. Comment ça s'est passé avec tes musiciens? C'est des musiciens de Kin ou Ouais, c'est des musiciens de Kin. C'est mes musiciens, c'est mon groupe de Kinshasa. D'accord. En fait, on s'est préparé à Kinshasa. Ouais. Et puis on est arrivé à Paris, je crois, c'était le 30, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc moi j'étais un peu, la santé n'était vraiment pas bonne, donc ma voix j'étais un peu grippée, j'étais pas au point. Et puis après, bon, Dieu merci, j'ai essayé de me prendre quelques cachets. Et puis voilà, quoi. Il y avait trop de pression, il y avait trop de monde. Donc moi j'étais là à m'excuser pour ces grands retards. Donc vraiment c'était indépendamment de ma volonté. Ouais. C'était, il y avait trop de mouvements. À l'intérieur comme à l'extérieur. Bien sûr. Quand j'ai voulu venir sur place, donc la police, la sécurité en fait. On a vu, oui. Pour me dire non, tu peux pas. Ouais. Ils avaient tout bloqué en fait. Jusqu'à 2h du matin, tout était bloqué. Exact. Donc voilà, je ne pouvais pas venir. Donc ils ont. Il fallait qu'ils sécurisent d'abord mon entrée en fait. Et puis après, je pouvais venir. Donc ils m'ont donné OK à 2h du matin. Ouais. Je me suis vraiment fait violence d'arriver rapidement. Donc, alors voilà. Moi je vais montrer un peu le DVD, attention, Arsenal de Belle Melody, voilà. N'est-ce pas? Donc si vous l'avez pas, il faut l'acheter. Acheter le DVD et le CD aussi. Voilà, DVD et CD et ne pas télécharger, voilà. Surtout pas, parce que ce mec il assure. Et